Dans cet atelier, à Genève, les élèves de la Haute École d'Art et de Design travaillent à leur collection de bijoux qu'ils présenteront bientôt devant un jury européen. À partir d'une réflexion sur l'usage du bijou dans le monde d'aujourd'hui, cette école permet d'acquérir les techniques traditionnelles de la bijouterie, mais surtout d'expérimenter des matériaux inexploités au contact de créateurs reconnus. Je suis maman Frankenstein parce que j'utilise parfois le métal, je vais avec le silicone, avec du tissu. Je prends plein de morceaux différents et je les assemble en fait, c'est un peu ça. Alors le thème de ma collection, ce sont les symboles de puissance masculins. Et comme la corne est un symbole de puissance ancestrale, je l'ai fait fusionner avec l'argent. Au cours de leurs années d'études, ces élèves développent des axes de recherche personnels dans des domaines aussi éclectiques que la bijouterie industrielle, le design de montres ou le bijou d'auteur. Ici, tous les champs d'expérimentation sont possibles. Cette nouvelle génération de bijoutiers utilise aussi bien les matériaux contemporains que les matériaux de récupération, sans hésiter à interroger les frontières de l'éphémère et du durable dans les traces des pionniers du bijou d'avant-garde. Paradis sur Terre. Collier de Deganit Sternschocken, composé de deux canettes d'aluminium écrasées et émaillées, serti de diamants taille brillant. La nouvelle bijouterie ou bijouterie contemporaine a renouvelé tout le vocabulaire matériel puisque ça pouvait être ouvert sur tout, à la fois l'objet trouvé ou des matériaux pauvres ou des matériaux comme le verre, des matériaux très nobles avec une très longue histoire mais qu'on n'utilisait pas habituellement pour le bijou. Donc toute une manière de penser hors du cadre qui a permis de renouveler et d'enrichir non seulement les matériaux, mais tout le langage de cet objet de parure. Will One, 2006. Collier en caoutchouc et argent de Noémie Doge, fabriqué avec des chambres à air. Sautoir, 2006. Collier en cellophane de Julie Husel. Fabriqué en enroulant sur lui-même du film étirable, utilisé pour emballer les aliments. Bonjour. Bonjour. Donc je vais vous présenter mon thème de bachelor. Donc mon thème, c'est la peau, donc plus particulièrement la peau humaine. Donc pourquoi la peau ? Ce qu'il y a vraiment d'intéressant, je trouve, dans la peau humaine, c'est que finalement, on a tous une peau et qu'elles sont toutes uniques. Dans un premier temps, j'ai cherché en fait la peau dans des matériaux. Donc j'ai cherché par exemple dans du latex, parce que le latex, c'est ce qu'on met parfois par-dessus la peau. Et après, j'ai essayé de mixer différents matériaux ensemble, donc latex et tissu, et là, latex et coquille d'œuf. Donc là, j'ai travaillé avec la peau d'orange, et j'ai cherché en fait à lui créer en fait des poils, parce que l'être humain a des poils, et je les ai faits en piquant à l'intérieur des aspérités de l'orange.
Et on obtient en fait voilà, des poils comme des cheveux qui repoussent. Et à côté de ça, j'ai créé un petit grain de beauté. Voilà. Tout d'un coup, la peau d'orange devient humaine. Je crée pas un monstre, mais je crée un bijou. Peut-être créer un humain, ce serait super. De créer un humain avec toutes mes peaux. Découvrez ce sein. 2013. Travail de diplôme. Collier de Clémentine Despoc en argent et perles de culture. Collier en papier. 1987. De Nell Linson. Fabriqué avec une technique de pliage. Bracelet de Fabrice Schaeffer, 2013. Titane et péridot. Les dents du diable, 2012. Collier de Fabrice Schaeffer. Titane et or jaune. Je suis devenu bijoutier par intérêt pour le métal, en passant d'abord par la mécanique. J'ai fait une formation de mécanicien et ensuite j'ai intégré une école de design. Bagues multiples en limaille de fer et or jaune. 2005. Je suis vraiment dans le processus de faire évoluer un matériau en partant d'un matériau brut pour en faire un matériau précieux ou transformé en tout cas. Et c'est ce processus qui engendre des formes et qui engendre des idées qui est le fil conducteur de mes recherches jusqu'à maintenant. Fleur bleue, 2012. Bague en titane de Fabrice Schaeffer. La couleur bleue des fleurs gravées est obtenue en chauffant la surface du métal au chalumeau à 450 degrés Celsius. Rouille triple, 2005. Bague de Philippe Sayette, constituée de 3 rondelles de métal rouillé, trouvées chacune à 2 années d'intervalle. Ces rondelles s'emboîtent naturellement et parfaitement sans que le créateur n'ait eu à en modifier la dimension. Elles sont montées sur or jaune. Philippe Sayette s'intéresse à la rouille depuis les années 80. Il est parmi les premiers à introduire du métal rouillé dans la composition de ses bijoux. De prendre la rouille, de donner le maximum d'honneur et de... Au commencement, c'était une blague. Mais après ça, ça devient très sérieux. Parce qu'en travaillant la rouille, tu te rends compte, ah, mais ça, c'est beaucoup plus beau, cette rouille, que celui-là. Et si tu perds un bout, tu es vraiment en panique. Oh, mon Dieu, où est-ce qu'il est, mon rouille? Tu sais pas où il est. Tu prends celui-là, non, pas celui-là, il n'est pas si beau que l'autre. Alors ça commence à avoir un sens. Aussi pour moi, ça devient sérieux. On t'entend le son, hein? Il est très haut, hein, le son. Alors le métal, c'est très dur. On doit le réchauffer maintenant. Comme je dis, l'or, c'est un pouvoir. C'est très étrange, mais c'est vraiment comme ça. Comme matériel, c'est parfait parce que tu peux souder, ça transporte pas la chaleur, la couleur est beau, c'est malable et c'est fort. Ça a tout. Ça travaille facilement. Si tu peux travailler avec l'argent, c'est difficile. Tu fais avec l'or, c'est facile. Tu es déprimé le matin, tu travailles, tu fonds de l'or, tu es joyeux. C'est très drôle, quoi. C'est comme une monnaie, ça donne le sens d'une valeur. Et ça, c'est le soleil qui est aussi comme une louis d'or dans le ciel. Roi soleil, énergie de la vie.
Grande bague rouillée, 2005. Or jaune et métal rouillé. Et quand même, je pense toujours, et c'est vraiment, je le pense vraiment, quand je travaille avec l'or comme ça, je me demande, est-ce que l'or a une conscience, hein? Et moi, je pense vraiment, si l'or est heureux, parce qu'elle a une conscience, oui, si elle est à son aise, hein, elle se laisse faire. Matador 2, 2005. Collier en corne de buffle d'eau, quartz rouge et or 18 carats. Et aussi, j'ai dit à l'or que c'est la dernière fois qu'on travaille avec lui. Après, quand il a fini, quand il est dans son situation, je promets, on ne va plus te fondre. On va te laisser comme ça, tranquillement. C'est la fin de ton voyage. Bague double, 2005. Bijoux pour la main en or et ébène, d'Esther Brinkmann. Le coffret de ce bijou créé aussi par l'artiste est fabriqué en bois d'ébène, comme l'anneau qui se trouve à l'intérieur de la bague. Dans le sillage des nouvelles écoles d'art et de design, les galeries, les collectionneurs, les musées s'intéressent à l'évolution du bijou contemporain et forment un cercle d'amateurs éclairés. Le musée de design et d'art appliqué contemporain de Lausanne rassemble deux collections de plus de 200 bijoux. Dans la préciosité, dans la question où se niche le précieux dans le bijou contemporain, il y a justement cette notion de transcendance des matériaux. Prendre un matériau qui est peut-être pas très intéressant au départ, et en faire autre chose. Et là, je vous invite à venir regarder ce magnifique collier rose. C'est du papier de boucher, celui qui sert à emballer la viande, hein, qu'elle a découpée en petits carrés. Alors, sa façon de travailler, c'est qu'elle prend un fil métallique sur lequel elle enfile un par un ces petits carrés, et entre deux petits carrés, elle fait une maille de crochet. Et elle crée ainsi ces grands cols. Mais là aussi, elle donne des titres à ses colliers, et ces titres sont souvent des clés de lecture. Celui-ci s'appelle Noce. C'est donc une parure pour une mariée. Et c'est assez particulier quand on se rend compte qu'elle a utilisé du papier de boucher, celui sur lequel on va mettre de la viande, utilisé à emballer pour la viande, qu'elle utilise ça pour faire une parure de femme mariée. Tout d'abord, j'ai fait ce collier, en fait, où j'ai coupé des maillons de corne et j'ai rajouté un maillon en argent pour le faire ressortir. Et pour faire ça, je me suis inspiré de la chaîne en or que beaucoup d'hommes ont aujourd'hui et de la côte de maille. C'est pour ça que les maillons en bas sont entremêlés. Donc voilà. Où il y a vraiment juste le maillon en argent qui dépasse un peu comme ça. Ça comme ça ou plus haut ? Tu peux baisser le câble. Voilà, en fait, ça joue sur vraiment l'ouverture vers l'avant. Celle-ci, c'est
C'est un collier grain de beauté, donc j'ai créé des grains de beauté avec des gouttes de cire, et ensuite j'ai fait de la fonte au sable. On a sur les petits points, on a les aspérités aussi qu'on peut avoir aussi dans les grains de beauté, qui sont pas toujours tout lisses. Et puis l'idée, c'est vraiment de faire une sorte de constellation. C'est comme si on avait relié tous nos grains de beauté avec un feutre, comme quand on fait quand on est petit. On essaie de voir si ça fait une forme, et puis bah là, en fait, ça crée un bijou, quoi. J'ai travaillé avec du laiton et là de la fibre optique. Du coup, ça reste transparent, c'est visible et en même temps, ça se maintient. Donc voilà, ça c'est le collier qui est du coup porté de dos. Puis du coup, il y a vraiment, il y a ces grains de beauté à elle. Puis là, j'aime bien parce que ça remonte du coup de chaque côté. Cette année, j'ai voulu travailler donc le thème de la femme voilée et dévoilée. Qu'est-ce qu'on montre et qu'est-ce qu'on cache suivant d'où on vient. Et moi, je suis d'origine moyenne-orientale et c'est quelque chose qui un sujet qui me touche. Et donc, à force de tourner autour du pot, j'ai fini par faire un cache-sexe qui est devenu un cache-visage parce que pour parler du voile islamique, où on ne montre pas le regard, on ne montre pas le visage, je voulais jouer avec ces deux aspects. Pourquoi la céramique ? Parce que vous pouvez peut-être sortir du corps et pas simplement rester sur le corps. J'ai pensé recouvrir avec des formes rondes qui auront la couleur de la chair, de la peau, un peu pour rappeler le fond de teint ou des choses très intimes de la femme. Mais c'est sûr que la polémique, elle va s'ouvrir. Ça, je pense que c'est incontournable. Travaux de master d'Alagui, 2013. Objets bijoux en céramique, verre, métal, crin et cire. Quand un créateur fait un bijou, l'ergonomie n'est pas un des facteurs prépondérants dans sa conception et sa réalisation. C'est vrai qu'on touche à cette frontière délicate de est-ce que c'est du design, est-ce que c'est quand même encore un bijou, est-ce que ça rentre dans la catégorie de l'art. Donc oui, il y a une frontière pas toujours clair, mais ça part toujours de préoccupations autour de l'être humain. Et donc, ça reste de l'ordre du bijou, mais effectivement, qui ne sera pas toujours porté, mais qui racontera quelque chose sur le rapport de l'être humain à l'objet, par exemple. Collier de Verena Sieber-Fuchs, composé de morceaux de cartes de géographie déchirées et assemblés par la créatrice sur un fil de métal au crochet. Collier de Carole Guinard, 1989. Fabriqué en plaquettes de bois limba assemblées avec du fil de coton. Scampi, 2006. Bracelet de David Bielander. Argent, cuivre et élastique. « 125 lapins, 2005. Collier de Nathalie Luder, composé de 2225 dents de lapin percées et assemblées sur des fils de soie blanche. Il fait partie de la collection Le festin de lièvre.
Ce bijou constitue pour sa créatrice un réquisitoire contre la chasse. Je suis parti de la boîte des conserves et c'est pour créer une collection avec un concept de design durable. Je vais sortir l'objet du contexte habituel pour qu'il devienne un autre objet totalement différent, plus désirable et mystérieux. Nous avons imaginé une collection sur la nature et sur le processus de germination. Nous avons utilisé des bas remplis de coton pour obtenir des formes volumineuses et organiques. La mousse et la moisissure peuvent paraître dégoûtantes et belles en même temps. Ce collier doit créer un sentiment de folie par l'association de ces formes étranges et de ces broderies délicates. Je pense que le corps humain est extraordinaire. Il y a beaucoup de détails sans importance dans l'anatomie humaine qui attirent mon attention et qui sont fantastiques et spectaculaires. Bijoux-objet de Naomi Filmer en verre incolore, 2007. Je pense que cette mise en valeur que j'apporte à ces différents détails anatomiques fait du corps un spectacle. C'est important pour moi de choisir des matériaux dont les propriétés sont en accord avec mon projet. J'ai travaillé avec des matériaux éphémères, avec de la glace et du chocolat. Mais j'ai aussi travaillé le métal, le verre, plus récemment le cuir, comme si c'était une seconde peau. Je l'ai mise en relation avec le verre. J'aime le contraste entre les surfaces et les textures. Ice Up Right Hand, 1999. Bijoux éphémères en glace de Naomi Filmer. How do I see jewelry of the future? Comment je vois le bijou du futur? Even closer to encore plus près de la peau. Je pense, pour être concrète, que un des nouveaux bijoux ou possibilités de bijoux, c'est tous ces objets qu'on ne quitte plus, qui vont du portable à l'iPad, où on met même tout notre affect. Il y a tous nos contacts, il y a tous nos messages qu'on aime bien qu'on garde, nos photos. Enfin, si on le perd, c'est une catastrophe, pas à cause de ce que ça a coûté, mais c'est à cause de tout ce qu'on a investi dans cet objet et qui le rend précieux. Mais on pourrait aussi penser à un ingénieur qui doit faire un pacemaker, par exemple, et il y a tous les problèmes de rejet. Donc c'est un objet qui, d'un certain côté, dans sa finesse, dans son raffinement, dans toutes les difficultés techniques, peut se rapprocher de la haute joaillerie. Et si on doit incorporer et prendre à cœur cet objet, on le fera d'autant mieux s'il nous plaît. Et en ce sens-là, peut-être qu'un pacemaker sur lequel on a aussi travaillé d'un point de vue esthétique et design, pour que quand le patient qui doit l'incorporer se sentent attirés et séduits, peut-être que son corps le rejettera moins parce que déjà du point de vue émotionnel et rationnel, le patient a envie d'incorporer cet objet parce qu'il lui plaît. Donc on pourrait extrapoler
qu'il y a quelque chose de cette fonctionnalité du bijou dont je vous parlais, ou le fait que c'est un bel objet et qu'il nous rend beau, même à l'intérieur, a une très très grande importance. Toison d'or, 2013. Travail de diplôme de Clémentine Despoc. Plastron en silicone, argent doré, fil doré et coton. On peut vivre sans la bijouterie facilement. Mais si tu essayes d'imaginer la vie sans bijouterie, étrangement, ça ne marche pas. C'est une tragédie, quand même, quelque part. Ça fait pauvre, ça fait malheureux, ça te donne un sens de solitude. Je ne sais pas pourquoi. Tu essayes de voir tes parents, ta famille, tes amis, des choses comme ça, et tu enlèves les éléments de bijoux, de tout d'un coup, s'il y a quelque chose, il manque du sel dans le dîner, il y a quelque chose qui ne marche pas. Collier, 1996, d'Alberto Zorzi. Disque en métal laqué, plié en deux et assemblé par des rivets.